Coucou, bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre tirage journalier, le message du jour. Prenez ce qui résonne pour vous, mes belles âmes. Je vais vous souhaiter à toutes et tous un très bon week-end. Pour les personnes qui ont la chance d'être en week-end, eh ben, je vous souhaite à toutes et tous un très joli week-end et puis du courage pour les personnes qui travaillent. Alors, nous allons aller voir un petit peu de quoi on va nous parler, quel est le message du week-end, un petit peu les énergies du week-end, cette tendance. On verra un peu déjà la coupe ce qui ressort et puis on ira approfondir un petit peu plus le message juste après. Alors, quel est le message du week-end, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de visite. Alors, on verra un petit peu ce qui arrive derrière. Merci pour vos retours. Merci pour vos messages et vos abonnements. Merci énormément. Et merci pour vos partages. Alors, ici, on peut nous parler d'un homme, d'une femme. Le message général, en l'occurrence, je ressors un homme. On peut nous dire autour d'un homme. On peut nous parler de démarches administratives autour d'un homme de loi, tout ce qui est aspect juridique. On peut nous parler du doc. On verra un petit peu ce qui va arriver derrière. Et ici, on peut nous parler de quelque chose sur le domaine de la santé, mais on peut avoir un petit peu de la négativité, on peut avoir des mensonges. On verra un petit peu hein, sur l'aspect administratif, si on nous parle plus du doc, mais en tous les cas, il y a quelque chose autour de vous, peut-être quelqu'un de faux, on verra. On verra en fonction de ce qui arrive derrière. Allez, voilà à la coupe déjà ce qu'on retrouve, la tendance de ce message du week-end. On va mettre ce jeu de couverture ensemble, et puis on va aller regarder un petit peu le message que je dois vous délivrer. Alors, pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, eh ben, ce sera avec plaisir. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Voilà, le jeu de 32. Et en place. Alors, le message du week-end. Eh ben, on retrouve un homme ou autour d'un homme. On nous parle également de tout ce qui est en lien avec l'union familiale ou l'union sentimentale. On peut retrouver un petit événement. On peut nous parler de vos enfants ou quelque chose sur la jeunesse. On verra un petit peu ce qui arrive derrière pour aller dans la direction de ce qu'on me donne. En tous les cas, ça concerne l'union familiale ou l'union sentimentale. Je vous fais voir les trois cartes du 32. Et on approfondit ensemble. Alors, vous me parlez d'un homme, vous nous parlez d'union familiale et sentimentale, peut-être de la jeunesse, mais encore, s'il vous plaît. Allez. Hop. On retrouve énormément de jalousie dans votre foyer, vous le consultant qui me regardez, ou la consultante. On nous dit, il y a peut-être vous, hein, ça peut être vous qui avez de la jalousie, qui me regardez, on verra un petit peu, où il y a de la jalousie autour de vous. Alors, et on retrouve quoi? On peut nous dire, ben, y a quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais quelqu'un d'un homme faux, ou je vous parlais quelque chose sur la santé. Et bien là, ici, on trouve bien de la jalousie autour de vous, et on voit quelqu'un qui peut être malveillant. Ça peut être une femme malveillante ou un homme malveillant. C'est-à-dire, on nous parle de quelqu'un, le voleur. On va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière, mais ça peut être quelqu'un qui profite d'une situation, quelqu'un qui est un petit peu pas en accord avec ce qu'il vous dit. On va aller voir un petit peu. En tous les cas, on nous dit, eh ben, il y a de la jalousie qui est là. On retrouve quelqu'un qui est faux autour de vous. Et on retrouve quand même le côté cœur. Alors, ça peut concerner une personne proche de vous. Hein, côté cœur, son union familiale et sentimentale. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Eh bien, on retrouve des nouvelles. Alors, on retrouve des nouvelles qui viennent d'arriver ou des nouvelles qui arrivent concernant eh ben, un événement ou quelque chose qui est en lien autour d'un homme ou une femme. Et on nous dit, bah, attention, on retrouve quelqu'un qui est faux, une personne qui est fausse. Alors, regardez bien, on nous dit, jalousie. On retrouve une personne qui peut profiter de vous. Hein, une personne qui n'est pas dans la bienveillance parce qu'on nous parle de vol, donc c'est plutôt très négatif, qui représente un danger dans votre maison, dans votre foyer. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, on va finir ce tour de cartes, et on va aller approfondir en complément. Bon, et ben on voit que par rapport à ce que je vous dis, il y a peut-être déjà des interrogations. Vous vous interrogez peut-être, hein, ça peut être quelqu'un de proche de vous familialement, ça peut concerner un de vos proches, on est sur l'union familiale et sentimentale. Hein.
côté cœur. Et ben, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, peut-être que votre relation est en danger. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est en danger. Pas la personne, plutôt le... si c'est sur amical, alors le côté cœur, ça peut être aussi quelqu'un qui est autour de vous, sur l'union sentimentale, mais plus amicale, pas forcément quelqu'un qui est avec vous. On nous dit, attention, il y a quelqu'un de faux. Ça représente un danger pour vous parce que c'est une personne qui est malveillante. Hein. Peut-être que vous êtes déjà interrogé sur votre relation sentimentale, que c'est peut-être une personne très proche de vous. On va faire un deuxième tour de carte complémentaire. Mais on nous dit, ben, en retard, il y a certainement un changement. Hein, un changement d'horizon, donc c'est-à-dire une projection pour changer les choses, certainement par rapport à ce que je suis en train de vous dire, mais c'est en retard. Donc on voit, on nous dit d'être prudente ou prudent. Alors, on va aller chercher des informations complémentaires, s'il vous plaît. Ouais, on parle de conflits et de disputes quand même. Donc on voit ici, c'est très conflictuel dans votre maison, dans votre foyer. Donc on voit, ça peut être un conflit qui arrive par rapport à une situation. En tous les cas, la personne qui est autour de vous, soit sur le plan amical ou plus sur le plan sentimental, à qui ça parle, eh bien méfiez-vous parce qu'on voit quelqu'un qui est faux, hein, qui est faux et qui peut, autour de vous, eh ben, plutôt vous faire voir quelqu'un qui est plutôt dans la bienveillance, mais j'en trouve plutôt quelqu'un qui cache son jeu, hein, quelqu'un qui pourrait vraiment vous amener du conflit dans votre maison, dans votre foyer, par rapport à votre relation. Alors, on va faire un deuxième tour de carte complémentaire, s'il vous plaît, ici. Vous voyez, hein, on retrouve bien la crise. Donc on voit qu'il y a deux personnes qui sont en désaccord. Alors l'union, hein, comme je vous l'ai dit, on nous parle de l'union amicale ou l'union sentimentale, on est sur un message général, mais ça peut concerner quelqu'un qui est proche de vous sur le plan professionnel. Hein, sur ce deuxième tour de carte, eh ben, on me donne des éléments complémentaires, on me dit ça peut concerner aussi un travail ou autour d'un travail ou quelqu'un autour de vous sur le plan professionnel. Il y a un désaccord qui arrive et on retrouve une personne fausse, donc attention. Hein, et regardez, on retrouve quand même la trahison. Donc on voit qu'il y a une personne fausse qui est là, mais qui pourrait tout simplement vous apporter des soucis, des contrariétés, voire des ennuis, voire une trahison. Donc la trahison, si c'est amical, bah, c'est vous faire quelque chose qui est complètement faux, mais on retrouve une trahison. Donc pour les personnes à qui ça concerne sur le plan sentimental, bah, on peut avoir une trahison qui peut amener une adultère. Et pour les personnes qui sont plus sur le plan professionnel, si c'est un ami ou une amie, c'est quelqu'un qui est faux et qui va vous trahir ou qui vous a trahi actuellement ici. Donc on trouve quand même du retard, certainement pour se projeter et de sortir de là, de votre maison, de votre foyer, autour de cette personne. Dans quelques temps, en retard, on m'annonce quand même un changement par rapport à la personne de ce que je vous parle. On parle bien d'un changement de situation vers un nouvel horizon, vers un nouveau changement. C'est quand même quelque chose d'inattendu. Hein. On me dit, c'est quelque chose, voilà, vous n'en avez peut-être pas connaissance autour de vous. On nous dit, c'est quand même, ça, ou alors vous l'avez appris il y a quelque temps, hein, mais c'est pas trop trop loin. On retrouve quelque chose d'inattendu un petit peu autour de vous, hein, un petit peu surprenant, on me dit. Hein. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui est là en attente. Donc faites attention, il y a quelqu'un de faux autour de vous, dans votre maison, dans votre foyer. Alors, merci à toutes et tous d'être avec moi, de votre présence chaque jour. Merci pour vos messages, merci pour vos retours. N'hésitez pas, pour les personnes qui me découvrent, pour me soutenir, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, et ben, ça me soutient, ça m'aide. Et pour les personnes qui le font, et ben, je vous remercie du plus profond de mon cœur, tout simplement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve mardi en live sur TikTok à 14h. Et puis, pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous avec moi au cabinet ou à distance, par téléphone ou en visio sur WhatsApp, vous retrouvez mes prestations et tarifs sur Internet. Vous tapez Will Voyance, vous avez toutes les informations, mon site web, les retours. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à toutes et tous un très joli week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à dimanche soir pour le message du jour. Et puis, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Bon week-end.